Hey, bonjour, c'est Macha et aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode de notre challenge, Million Challenge sur les Sims 4. Et on se retrouve tout de suite, pardon, avec Sophia qui est enceinte, qui a bientôt, va bientôt accoucher. Et j'espère que ce sera des jumeaux. Comme vous pouvez le voir, elle a très envie de faire pipi, donc je vais vite aller faire pipi avant de venir. J'ai oublié de mettre mes écouteurs pour entendre le son de mes Sims. Voilà, ça c'est moi qui commence à tourner de bon matin. On est l'après-midi, mais comme les épisodes tombent le matin, je dis que c'est de bon matin. Donc ensuite elle réparera, écoutez. Donc elle a faim, elle a envie de faire pipi. Donc elle fait pipi, elle va réparer, elle mangera. Elle va servir le dîner, elle est végétarienne, hein, on n'oublie pas. Donc elle va faire un petit chili. J'ai mal le cliqué, je crois. Un petit chili végétarien avant d'aller se coucher. Voilà. Toi, tu pêches. Toi, tu fais tes devoirs. T'es pas très bien du tout. Alors, du coup, ce qu'elle va faire ensuite. Non, elle va pas nettoyer. Pardon, c'est des réflexes. Non. Elle va pas nettoyer. Elle va aller aux toilettes faire pipi. On va regarder, nous, ce qui est rassis dans le frigo, comme d'habitude. C'est ceci. Est-ce que le frigo est toujours rassis? Oui! Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors, l'objectif, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on devienne riche. Oui, d'accord, je sais, c'est le principe même du Million Challenge. Mais si on pouvait avancer encore un peu plus vite, ce serait génial. J'aimerais avoir la naissance des enfants aujourd'hui. Et j'aimerais aussi être au moins à 150 000 ici. J'y crois pas trop, mais on peut toujours y essayer. Donc elle vient de faire pipi, elle va aller aux toilettes. Est-ce qu'elle a fini ses devoirs? Non du tout, mais bon, elle est trop stressée, je pense. Elle va jouer. On ne peut pas s'entraîner parce que c'est un violon pour enfants. Donc écoutez, on va le mettre dans l'inventaire pour l'instant. D'ailleurs, dans notre inventaire. On a des trucs dans notre inventaire. Dis donc, dis donc. C'est qu'on m'aurait caché tout ça? Bah alors. Alors du coup, je mets tout ce qui est saleté pas loin. Excusez-moi, j'ai un peu cassé ce matin. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est quoi, d'où ça vient, mais ça nous fera toujours du pognon! Du pognon! Surtout qu'il y a des trucs en fait, c'est comme si on les avait. Ah, c'est peut-être avec la fête. Non, tu vas pas déplacer ça, machin. Ok. Donc ensuite, elle va aller faire ceci. Jouer, ce que je veux dire. Le temps était accéléré, j'ai pas vu. Après, tu iras prendre des risques et dormir. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, tu es stressée, maman. Donc, tu vas d'abord commencer par jouer. Ensuite, tu as besoin d'une bonne douche. Tu vas nettoyer et te doucher. Ensuite, tu as besoin de manger. Bah, écoute, ta fille vient juste de préparer un petit repas. Hop, nous, on va s'occuper de ça aussi. Elle est rentrée du boulot, elle a gagné combien? 88. Donc, elle rapporte toujours que dalle. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai de pas vouloir la faire travailler avec un meilleur métier ou pas l'arrêter complètement pour lui faire faire lui faire faire que de la peinture, mais bon. Écoutez, c'est rigolo. Moi je trouve ça rigolo, voilà. Vu comme elle est pas bien du tout, je pense qu'elle va plutôt faire dodo après avoir fini de manger. Hop, tac, toi tu vas là. Et enfin, est-ce que c'est bon? Oui, et voilà. Donc, elle nettoie. Lui, il commence. Ah bah d'accord, lui fait ses devoirs, c'est bien, hein, c'est pas si mal. Tony, donc. Tony, ah oui, il va être incroyablement riche. Donc, on va vendre déjà tout ce qu'il a pêché. Je me demande si la pêche suffira pour incroyablement riche. Je sais pas encore quelle carrière lui donner plus tard. Pas pêcheur, ça c'est sûr, ça rapporte pas assez. C'est quoi ça? Pièce de robot récupérée, d'accord, si tu veux. Du coup, il faudra que j'essaie de trouver quelque chose qui rapportera assez de sous. Je n'y crois pas trop à trouver facilement. Mais on pourra toujours essayer. Pas astronaute, ça c'est sûr. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut construire une fusée. Et là, c'est mort. Je ne construirai pas de fusée. Donc toi, tu te sens mieux, tu vas aller manger. Toi, tu vas te coucher. Toi, tu as faim. Annelle doit être encore en train de manger. Ouais, donc c'est parfait. Tu vas prendre une portion. Le frigo pue encore. Qu'est-ce qu'il y a encore de rassis? Pas ça, pas ça, pas ça. Oui, si, c'est ça. Hop là. Et le reste, ça a l'air bon. Et on va tout vendre. Donc, ce qu'il a à vendre. Tac. Hop. 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 236. Ouh, ce poisson était génial! Hop, on vend tout. Je suis désolée, hein, les commentaires vachement intéressants, c'est hop, hop, hop. Voilà. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de nettoyer? Non.
On ne nettoie pas ici. Par contre, je vais peut-être investir dans un agent de ménage. Parce que ça me saoule de voir que tout est sale tout le temps. Donc écoutez, on va quand même prendre un service. Je sais, c'est perdre des sous, mais bon. Appeler, c'est où? Acheter un service. Voilà, on va quand même demander... Oups. Oh, ça allait trop vite. Acheter un service. Excusez-moi, c'est moi qui vais trop vite, surtout. Un domestique régulier. Voilà. Donc lui, il a fini de manger. Et quand il aura fini de manger, est-ce qu'il a fait sa course? Oui, bah il retournera. Écoutez, il va retourner pêcher parce qu'il se sent plutôt bien. Donc pourquoi pas le faire pêcher? Non! Oh, mais depuis quand tu nettoies, toi? Amélia! Oh! Je veux pas que les Sims nettoient quand même. Et je me demande quand est-ce qu'elle va accoucher. Elle a encore envie de faire pipi, hein, Sophia. Vous vous rendez compte quand même qu'elle vient de faire pipi. Et qu'elle a de nouveau envie d'y faire. Ah, elle est là. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on vend tout. On va essayer de s'assurer qu'on arrive à au moins 150 000, si ce n'est 200 000 Simflows pendant cet épisode. Sachant qu'on va sans doute avoir les jumeaux. Je suis pas sûre qu'on puisse gagner autant d'un coup. Mais quand... Enfin, j'espère que c'est des jumeaux en vrai. Hein. Je dis les jumeaux parce que je suis persuadée que c'est des jumeaux, mais on sait jamais. Maman, comment tu vas? Tu dors très bien. Bon, écoutez, non, il pêche un peu, ça lui fait du bien. Écoutez, il pêche. Regardez ce pêcheur. Et il pêche des objets sympas des fois. voilà, voilà. La pêche, les sous. Je sais pas encore les noms que je vais donner aux enfants. Je sais pas si c'est des garçons, des filles et tout ça. J'ai pas réfléchi, je vous avoue. Il faudrait peut-être que je regarde d'ailleurs son nom de famille à lui au cas où. Ekekia. Ekekia. Bon, je devrais pouvoir retenir ça. Ekekia. Déjà que j'ai réussi à retenir que c'est Uku Panino. C'est pas mal, c'est ça? Uku Panino. Ouais, Ekekia. Bon, ok. Il va aller se coucher. Parce que bah il a pêché toute la nuit et que bon sa belle-mère va travailler. Super. Ensuite, comme d'habitude, après le travail, tu joueras au jeu vidéo. Après avoir joué au jeu vidéo, tu prendras des restes et après tu iras aux toilettes. Et tu vendras tout. Est-ce qu'on peut faire tout vendre? Oui. Sophia, tu as commencé. Ouh là 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 là, par pulvériser la zone. Comment elle va? Elle va bien. Faut vraiment s'en occuper. Tout désherber, écoutez. Ah, il y a lycée. J'avais pas fait attention. Est-ce qu'il faut qu'elle boit? Qu'elle arrose les plantes. Désolée, je suis... Mais les plantes ont besoin d'eau, donc il faut qu'elles boivent. Voilà, c'est tout simplement ça. Ne cherchez pas ma logique foireuse, s'il vous plaît. Donc lui, il dort. Et donc Sophia s'occupe de toutes les plantes. Elles sont desséchées, on est d'accord. Ah, maman est rentrée du travail, donc ça c'est cool. Elle joue au téléphone, ça c'est juste histoire qu'on puisse derrière lui faire faire une toile. Repasser le test, résultat du TDR, accepter son résultat. Voilà. Il faut accepter ses notes. Tu vas aller utiliser ensuite. Ah mince. Bon, elle s'est fait pipi dessus, on n'a rien vu. Tu iras prendre une douche, du coup, ma petite, avant de reprendre ton pain perdu. Et je veux que tu finisses. Là, c'est bon, mais ici, il faut finir de tenter de travailler davantage. Écoutez, hop là. Et toi, tu vas tout arroser. Gain de performance, petit. Parfait. C'est pas des mauvais petits enfants. Est-ce qu'on va réussir à être ici à 150? Déjà, quand on aura l'arbre à Simflouz, ça va tellement nous aider dans notre challenge, mais tellement. Je me rappelle sur un Génération Leader, le tout premier que j'ai fait, le Génération Leader 1 en fait, j'avais fait ça. J'avais un arbre à Simflouz, j'en avais plein même à la fin, je crois. Et j'avais dépassé les 1 million, mais tellement vite en fait, et facilement. Donc en fait, c'est un peu l'espoir que j'ai, je vous avoue. C'est que ça nous permette de passer un peu plus vite le million. Puisque l'objectif, c'est quand même de l'atteindre. Donc, il faut faire l'objectif. Tout court, faut faire l'objectif. Point. Ah, faire évoluer, excellente. Ah, on en a déjà une qui est excellente. Ih, elle accouche. Et lui, lui fait une panique. Paniquez, panique. Je voudrais quand même qu'elle finisse, voilà, de faire... Hop. Ah, je ne veux pas. Il a sa petite queue qui dépasse. Oh, c'est trop mignon.
C'est trop chou. Voilà. Du coup, Lily Vapani, elle va accoucher dans pas longtemps. Par contre, elle ira accoucher toute seule à l'hôpital parce que j'ai une grosse flemme de les suivre. Hop, c'est bon? Ah ah. Bon, écoutez, elle va faire que... Non, elle va finir ça. Je suis horrible. Je commence à paniquer actuellement. Vous vous rendez compte ou pas? Elle fait évoluer. C'est bon, t'as fini? Allez, dis-moi que t'as fini. Chercher des coquillages sur la plage. Non, tu vas peut-être aller accoucher, peut-être avoir un bébé à l'hôpital, ne pas accompagner. Voilà. Lui, il va à l'hôpital, c'est parfait. Et elle est... Non mais elle va jamais bien, ça m'énerve. Tu veux pas regarder la télé en mangeant? Alors, on a dit que c'était Hekeki, c'est ça? J'ai un doute. Kia? Elekia. Ouais, pardon. Kia. Je crois que c'est Ekekia. Je suis même pas sûre. C'est une fille. Alors on a déjà Amelia, Anaël, Sophia. Bon, je vais pas me casser les pieds. J'ai envie de l'appeler Anna. Et le Anna très simple sans H. Voilà. Et on a un deuxième petit garçon. Donc Ekekia aussi. Et Ke. Je fais des fautes de phrases, mais c'est une horreur. Kia. Et lui, alors Tony, Ukupanino. Tony, Ukupanino et. Et Nino. J'ai la flemme. Je vais l'appeler Nino. Voilà. Donc on a eu des jumeaux qui sont tous les deux dans la chambre d'Amélia. Moi, pourquoi pas? Mais non, on va les mettre pour l'instant dans le couloir. C'est un peu de la maltraitance, vous allez me dire. Mais un bébé dans les Sims, on sait très bien que ça empêche les parents de dormir. Et que là, il n'en est pas question. Voilà, il n'y en est juste pas question. Donc on a eu un petit garçon et une petite fille, donc je trouve ça super équilibré, je trouve ça sympa. Et du coup, elle va tout de suite aller les nourrir tous les deux, par contre, avant de continuer à s'occuper de ses plantes ou peut-être aller travailler. Aller au travail. Donc derrière, elle va au travail. Elle fait juste la nourriture et elle va au travail. Et lui, il part au travail aussi. Ce qui est très bien. Et donc toi qui vas jamais bien, tu es grand-mère maintenant. Tu es grand-mère. Non! Tu es tante! C'est tes neveux. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a quand même 7 Sims dans la maison. Donc, ça fait beaucoup, on est d'accord. Mais c'est pas grave. Tu vas aller toi dormir un coup parce que tu as que envie de faire ça. C'est casse-pieds. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, écoutez, on va quand même vendre cette toile avant et on va en prendre une deuxième parce que mince quoi. C'est quoi le fait qu'elle ait toujours sommeil et tout? C'est un peu saoulant. Donc toi, t'es énervé. Bah écoute, enfin t'es tendu, donc tu vas jouer. Toi, t'as besoin d'une bonne douche visiblement, donc tu vas prendre une douche. Pour commencer, puis après tu iras toi t'occuper des petits, pourquoi pas. Donc lui c'est celui qui est condamné à pas avoir d'amour ni rien parce que bah il est parce qu'on n'aura pas la place, mais peut-être bien qu'Amélia aura un enfant, enfin elle tombera enceinte peut-être plus tard quand elle sera déjà adulte parce que ce serait déjà peut-être pas anticiper trop sa vie sans lui demander son avis surtout. Donc lui, il a faim, donc il va aller prendre un reste. Il grandit dans combien de temps déjà? J'ai regardé il y a 5 minutes, hein, dans un jour. Bon, on va continuer pour l'instant de le faire pêcher. Voilà. Moi, je surveille surtout que lui, il aille bien. Et je voulais voir aussi. Ah, il faut déjà qu'ils travaillent dur tous les deux. Hein. Travailler dur et travailler dur. Ah, su. Ah, dénoncer le collègue, se taire, argent manquant. Dénoncer le collègue. S'il y a de l'argent qui manque, c'est pas normal. Tu vas faire évoluer. Je voulais voir, voilà, on en est à deux plantes qui sont excellentes. Et elle est quoi? Elle est excellente. Donc ça va faire trois, non? Non, deux. Ok. Donc ce que j'ai fait évoluer tout à l'heure n'était pas excellente juste avant l'accouchement. Mais ça c'est cool si on pouvait avoir des plantes excellentes. Ouais, qui sait? Ah bah merci, c'est gentil. En fait, lui, il a un arbre généalogique. Non, il n'a que le fait qu'il a eu enfants grâce à... pas grâce, mais avec Sophia. Ouh là là, je vais y arriver. Il faudrait peut-être qu'ils se marient aussi, ce serait cool. Organiser un mariage, histoire d'avoir des sous supplémentaires. Donc toi, t'as joué aux jeux vidéo, maintenant que t'es moins tendu, c'est bon? Et bah tu vas écrire, reprendre ton livre. Voilà, tu reprends, parce qu'il faut quand même que t'écrives 5 bons livres, ce qui n'est pas gagné, je crois.
Voilà, maman a fini sa toile. Donc, quand elle rentrera du boulot, elle vendra sa toile avant d'aller dormir. Voilà, parfait. Et donc, toi, j'aimerais bien que tu écrives en boucle. Tu iras manger. En plus, c'est le week-end. Et ça, c'est cool. J'adore les week-ends. En fait, j'adore les week-ends quand il y a des choses à faire. Mais faut qu'il y ait des choses à faire. Et dans un million challenge, il y a toujours quelque chose à faire. Parce qu'on a besoin de sous. Et que le travail, finalement, est une gêne permanente. Voilà. Donc, toi, tu vas t'occuper de ta cousine. Du coup, c'est des cousins-cousines. C'est trop bien. Cousin et cousine. Voilà, c'est une grande famille ici. Et on s'occupe de tout le monde. Voilà, tout le monde s'occupe de tout le monde. Sauf Amélia, parce qu'elle doit écrire pour l'instant. On peut pas reprendre quand on est en train d'écrire alors qu'on a deux livres. Qui c'est qui m'appelle? Non, désolée, mais je travaille. Donc les deux enfants y travaillent. Et regardez-moi ces deux petits jumeaux. J'ai hâte qu'ils grandissent pour avoir des petits bonbons qui vont se balader partout. Et je ne sais pas, j'ai pas fait d'étage. Ah, il y a un truc là. Oh, c'est trop bien. Attendez. Youp là. On peut pas vendre? On peut pas le vendre. Oh. Athlète professionnel ou culturisme? Alors, qu'est-ce qui gagne le plus? Athlète professionnel gagne plus. Donc, écoutez, on va faire athlète professionnel. Voilà. Donc, du coup, par contre, avec athlète professionnel, il va falloir monter le charisme. Ouais! Donc, étudier. Ça va, je cache tout à fait ma joie. J'aime pas la compétence charisme. C'est une compétence que je n'aime pas. Voilà. Il faut le savoir. Chez moi, c'est dur, je trouve, à monter. Enfin, je pense que je suis traumatisée des Sims 3 parce que dans les Sims 3, je trouvais ça super dur à monter. Toi, t'as envie de faire pipi et vu l'heure, tu vas aller te coucher ensuite. Donc, tu vas faire pipi dans le buisson parce que c'est rigolo et tu iras dormir. Toi, t'as bien travaillé. T'as écrit un bouquin que tu vas tout de suite aller vendre à un éditeur. Alors, chef ou mixologue? Chef, je n'aime pas trop la carrière mixologue, je vous l'avoue. Je préfère totalement, et puis je vais le faire avec le Génération Leader parce que j'ai destiné Cédric ou Martin, je sais plus, je sais jamais en fait, je crois que j'ai confondu les deux de toute façon. Je l'ai destiné à la mixologie, donc du coup je préfère varier un peu aussi, surtout parce que je suis en plein milieu de. Enfin, je fais plein de parties en même temps, donc voilà. Donc toi tu travailles, toi t'étudies les adversaires, c'est bien. Par contre, y a des bébés qui pleurent. Donc attends, tu vas arrêter 2 secondes. Tu vas aller le bercer. Tu vas bercer donc ton fils Nino et ensuite tu iras bercer Anna, parce que pas de jaloux, avant de continuer à étudier les adversaires. Ok, c'est pas ce que Nino voulait, donc il a peut-être faim. Donc elle va aller l'allaiter. Voilà. C'est des bébés qui seront élevés au sein, ça. Ah, et tiens, Anna rejoint son frère sur. Non, 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 non. Anna rejoint son frère sur le fait que c'est l'heure du manger. Manger, maman, maman, manger. D'accord, toi t'es mal à l'aise, tu vas te coucher. Donc, maman, non, tu fais pas la vaisselle, toujours pas. Parce que ça fait des sous. Voilà. Et tu allaites les deux petits. Allez, allez. On allaite, on allaite. Donc, elle travaille dans 15 heures, mais pour l'instant, elle est fatiguée. Et lui, il a fini. Donc, je vous propose qu'ils aillent faire une petite séance de crac-crac pour se détendre. Et elle a la couche sale. Attends, t'as pas annulé? Si t'as annulé en plus. Allez, finis vite et on va faire crac-crac. Voilà. Et toi, comme t'entends ta cousine pleurer, tu vas lui changer la couche. Et comme ton cousin aussi et mieux aussi, tu vas changer les deux couches. Et tu vas dormir. Voilà! Ça, c'est fait. Comme ça, ils font une petite séance de crac-crac. Non, non, non. Tu vas dormir. Et toi aussi. Voilà. Vous dormez. Vous arrêtez de vouloir faire autre chose que dormir pour l'instant. Et voilà. Donc, lui, il va pas très bien. Donc, ensuite, il ira, hop, utiliser, prendre une douche. Toi, au réveil, tu iras utiliser. Toi, tu vas tout de suite utiliser aussi et prendre une petite douche aussi. Et puis tu vas aller regarder tes neveux et nièces. Hein. Écoute, tu vas les bercer tous les deux. Elle est tendue. Elle va pas bien, cette maman. Mais elle va jamais bien, je trouve. On a fait pousser une plante vache! Ça y est! Elle ira ensuite tout vendre et
Regardez la télé. Donc, normalement, ça c'est bon, faire pousser une plante vache. Donc, avant de prendre des risques inutiles, on va la vendre. Hop, et on va vendre aussi ces deux choses. Ça fait des sous. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à atteindre le niveau 10. Donc, ça c'est cool. Donc, toi, tu fais quoi? Tu prends ta douche pour l'instant. Très bien. Toi, tu as besoin donc de faire ça et de prendre ta douche. Ensuite, tu auras besoin de manger. Donc, tu iras prendre des restes pour commencer ta journée. Toi, ça va? Ouais, tu vas avoir besoin de manger aussi. Donc, écoutez, elle va aller prendre des restes et regarder la télé pour se détendre. Voilà. Voilà, lui, il va bien. Sinon, donc, il ira, écoutez, pêcher. Ensuite, toi, après ton sommeil, tu iras quand même allaiter tes deux petits, parce qu'il faut nourrir la marmaille. Toi, tu t'es réveillé, c'est génial. Tu as envie de te doucher, donc tu iras te doucher. Ensuite, tu vas manger des restes, parce que c'est important, avant donc de continuer à écrire. Toi, tu as faim, donc tu vas aller prendre des restes, et c'est tout ce dont tu as besoin. Donc après, tu iras pêcher. Voilà. Donc, il n'y a qu'une Sims qui n'est pas réveillée, c'est celle qui doit allaiter les petits. Hein. Est-ce qu'il y en a qui. Non, ils ne laissent plus traîner leurs assiettes. Depuis quand ils nettoient leurs assiettes, hein? Ça y est, elle est réveillée. Elle fait pipi et ensuite elle va pouvoir aller s'occuper aussi de ses bébés et de ses plantes derrière. Voilà. Et après, elle ira surtout préparer un petit repas pour son frère. Son neveu, du coup, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Tony. Hop, on fait évoluer, faire évoluer. Donc déjà, on est à 4 plantes et on est qu'au niveau, on est vraiment pas haut en niveau 1. Enfin, on n'arrive pas à monter. Enfin, c'est long à monter, je trouve, le niveau de carrière. Donc, le niveau de carrière. Le niveau de jardinage. J'avais une technique dans les Sims 4, 3, pardon. Je perds mes mots, hein. Dans les Sims 3, je faisais que. Je leur faisais planter plein de trucs jusqu'à ce que ce soit niveau 10. Puis après, je vendais tout et c'était fini. Voilà, ça c'était quand je préparais mes ados à l'université. Voilà. C'est les petites techniques de Macha, si vous voulez les réutiliser. Je suis pas sûre d'être très très douée. Mais voilà, j'avais mes petites techniques. Donc toi, tu vends. T'as encore. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas pas manger un gâteau, tu vas en faire un par contre. Bon, bah, tu vas le nourrir au biberon. Mais je me suis trompée. Non, elle en veut pas. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Pardon, excusez-moi. Mais il fait que pleurer depuis tout à l'heure. Ah, mais quand même! C'est bien quand ça s'arrête, ce truc-là. Donc, elle va cuisiner un petit gâteau au chocolat pour son neveu chéri qui va grandir. Voilà. Toi! T'es niveau 5, c'est bien. Tu as écrit un bon livre pour l'instant et tu es en train d'en écrire un deuxième que tu as bientôt fini. Ensuite, tu iras t'occuper de ta nièce, cousine. Je suis perdue dans les âges. Hop, toi, t'as fini le gâteau? C'est super. On va le laisser là pour l'instant. T'as faim? Tu vas prendre des restes. Voilà. Hop, ensuite. Ça, c'est bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Des pompes. D'accord. Ah oui, parce que t'es maman. Donc tu vas vendre, s'il te plaît. Et on gagne que Pouic en droit d'auteur pour l'instant. C'est pas gagné non plus. Bon, c'est pas grave. Pop art. Non, on va continuer du réaliste. Voilà. Toi, donc t'as écrit un livre et maintenant tu joues un peu au jeu vidéo, ce qui est très bien parce que tu en as besoin. Toi, ensuite tu iras vendre à un éditeur polémique. Et tu iras prendre des restes. Toi, tu vas super bien. Bah écoute, tu vas aller pêcher comme tout le monde. Comme tous ceux qui ne savent pas quoi faire. Voilà. Toi, t'es tendu. Donc ensuite, tu iras jouer ici. Donc toi. Toi, ça va. C'est bien son anniversaire aujourd'hui. Donc écoutez. Il va fêter son anniversaire tout seul dans son coin. Non, allez, on a pitié. Il va ajouter. Donc on peut pas. Parce que c'est pas centré sur. Voilà. Là, c'est centré. Donc ajouter des bougies. Et au moins, toi. Et toi qui êtes libre, vous allez aller ici. Allez hop hop hop. Libérer le poisson, évidemment. Parce que voilà, il va falloir qu'il ait une carrière. Qui s'occupe de. Qui gagne aussi des sous pour la famille. Et qu'on s'occupe bien correctement de ce niveau. Ah, d'ailleurs, je me demande si les enfants sont des sirènes. Parce que c'est vrai qu'on a un mari sirène. J'avais un peu oublié ce petit léger détail.
pas célébrer, mais souffler les bougies, s'il te plaît. Souffler les bougies. Et Anaëlle, qu'est-ce que tu es? Viens là, Anaëlle. Viens là, viens là, viens là. Non, toi, tu t'en vas. Non, 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 non. Vous en allez pas, voyons. On est quand même en train de fêter un anniversaire. Donc, lui, il veut... Il est... Donc, lui, il est joyeux. Il est enfant des îles. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre en plus? Écoutez. Enfant des îles, imprévisible, maladroit, glouton, kleptomane, soigné, nanana. Ou initié. Matérialiste, allez. Donc ça c'est fait. Voilà, il a grandi. Maintenant il va pouvoir prendre un morceau. Toi, tu veux déjà aller dormir, je sais plus quoi encore. Tu fais que dormir tout le temps toi. Ok, Sophia. Sophia, toi, ce qui va bien, tu vas aller pêcher. Toi, tu vas aller pêcher aussi. Surtout que t'as pêché plein d'objets. Voilà. Donc il y a que Sophia, non pas Sophia, Amelia qui n'est pas allée fêter l'anniversaire de son frère, ce qui est très gentil, mais au moins on a un jeune adulte en plus, ce qui veut dire qu'il peut se lancer hop ici dans une carrière et j'ai une petite idée de carrière. Et après qu'on ait choisi, on va se laisser sur le choix de carrière, écoutez, parce que bah ça fait un petit épisode déjà assez long. Donc voilà. Toi, tu joues aux jeux vidéo. Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Je ne crois pas. Non, elle joue toujours aux jeux vidéo alors. J'en sais rien. Donc allez, vas-y, choisis ta carrière. Et que va-t-il devenir? Alors, je comptais le mettre dans les affaires parce que... Parce que, en fait, sans raison vraiment. Ou éducation, j'hésite un peu. 38, ah c'est bien ça, 8h, 16h. Oh, ou ingénieur, 38 aussi. Non, allez. Allez, pourquoi pas? Il va être prof. Non, ouais, si. Si, si. Allez, il est prof. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous êtes content de voir qu'il a grandi et qu'on est à 153 000 ici et que surtout, on est à 130 000. Donc, c'est déjà pas mal. Encore 70 000 et on aura fini son truc à elle, ce qui est cool parce qu'on aura des intérêts réguliers. Et donc, c'est sur ce qu'on va se laisser. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, même abonnez-vous aussi, ça peut faire toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !